Alors, merci Yvonne déjà, Yvonne Adjé, de Oui. nous recevoir pour évoquer des souvenirs liés à votre enfance et à notre village. C'est avec plaisir. Bon, alors d'abord, je vais vous poser une première question. Si je puis me permettre, quel âge avez-vous? 96 ans depuis le 29 septembre. Super. Et est-ce que vous êtes, où êtes-vous né exactement? Ah, pour ça, hein? Mais à quel endroit? Et je crois que je suis née là-haut chez les Boudettes. Mon papa travaillait là-haut, chez Mamoré. D'accord. Oui, Puis je vois très bien. on a quitté, j'avais peut-être 4 ans, et on est allé chez Courrejou, où habite Quintana, et Oui. on y est resté jusqu'à ce qu'on ait le remontage quand ma grand-mère est morte, parce qu'il y avait mon grand-père en plus et il n'y avait que 3 pièces. D'accord. Alors on est venu au remontage. Donc on est au remontage où tous les petits sont nés et tout. Oui. Moi, ça, c'est ma maison. Tout à fait. Et vous aviez des frères et sœurs? Ah oui, on était 3 filles. Ouais. Madeleine, l'aînée, moi, la seconde, Henriette. Tout le monde est mort, hein? Il n'y a que moi. Et mon frère, le pauvre, 10 ans après, 12 ans après, ma soeur Rachel. D'accord. C'est lui qui. Non, ma soeur, l'aînée, est morte la première. Mon frère, puis Henriette. Et je reste. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et papa était charretier. D'accord. Donc j'ai Oui, le oui. beau-père de Vignasse. Oui. Voilà, et il y est resté, où il a commencé, il a fini. À part chez M. Boudet, ce qu'il avait commencé, mais ça n'a pas marché, alors il est venu là, et il est resté là, et il a pris la retraite là. D'accord. Et maman était au foyer. Et maman était au foyer. D'accord. Et quel souvenir vous gardez de votre petite enfance? Ouh, moi, que de bonnes choses. Moi, j'ai été toujours, je ne veux pas me flatter, mais une enfant très dégourdie. Très. Je ne sais pas. La moindre chose qu'on disait à l'école. Mme Douaste, ça a été ma première maîtresse. Elle venait, elle faisait des André Douaste, tous les samedis que je rencontre en commission. Il me disait, allez, Yvonne, raconte-moi. Et j'ai dit, oui, la nounou venait vous porter, sa mère sortait, c'était tout, elle nous faisait tétée devant le monde. Et tous les petits autour et tout le monde riait. Alors il riait, André, il était pour mieux en appel. Tout à fait. Alors tout ça, c'est des choses. J'ai eu le premier prix la première année. Très très bien, moi, à l'école. J'étais fou folle que j'ai pas voulu continuer après moi. Donc vous étiez heureuse dans votre enfance. Ah oui, très heureuse. Très très heureuse. Et donc l'école, vous alliez à l'école des filles. L'école des filles, au cours complémentaire, j'ai été jusqu'au brevet. Mais au D'accord. brevet, je suis pas allée. Et vous vous souvenez des maîtres ou des maîtresses de l'époque? Ah, mais il y avait que M. Estreste. Il y avait que maître. Mme Nicole et M. Nicole qui étaient dans le primaire et Oui. Mme Nicole qui était au complémentaire. Et D'accord. elle menait les gens comme ça. Hein. Alors il y avait 7 ou 8 élèves de Gigean qui venaient en vélo, Gounel, Granier, Blavet, je ne sais pas beaucoup, peut-être 10. Ils mangeaient dans le réfectoire qu'on leur avait fait, ils prenaient leur dîner Oui. et ils repartaient le soir. D'accord. Et c'est après qu'est-ce qu'était fait le cours complémentaire. Mais le cours complémentaire, c'était fait au début, tu te rappelles, à l'école, Oui. qu'après on a changé. D'accord. Ça, comme si c'était hier, hein, moi. Et comment ça se passait en classe entre le maître et les élèves ou la maîtresse et les élèves? Oh, Madame Nicole, là, était sévère. Sévère. Mais elle faisait le plus grand division que son mari et elle se faisait respecter. Elle avait des grand-mères. Et les punitions, c'était comment? Vous vous rappelez? Je ne me rappelle pas bien. On allait au piquet, on avait Oui, les oreilles on d'âne. allait, oui, on allait contre. On allait un moment, mais c'était pas grave, quoi. Je ne sais pas maintenant, je ne pense pas que ce soit comme ça. J'entends parler les petits, je vois que ça a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait des leçons de morale. Ah oui. Vous vous en souvenez? Oui, les leçons de morale, La phrase écrite au tableau. la phrase écrite au tableau. Le bonjour le matin et faire le travail, frotter le bureau, faire le travail. Et allumer le feu aussi. Non, il y avait ça, rallumer le feu, il y avait la faim. Non. D'accord. Et remplir les encriers, non? Quand on est renversé. Vous vous souvenez des années de guerre? Quels souvenirs vous en gardez? Ouh, alors ça, des années. On coupait le pain avec la hache, hein? Et encore, si on en trouvait. Les Allemands, on les avait au magasin d'Icare, là-haut, Ouais. qui passaient avec les chevaux et tout. On les avait. Ils nous ont jamais rien dit.
Et nous, on n'a jamais rien dit. Je ne sais pas si dans Poussin, il y a eu des histoires avec des gens. Nous, chez nous, dans la cour, il n'y a pas eu d'histoire. Il n'y en avait pas qui logeaient chez vous. Ah non. Donc chez nous, on n'en a pas eu. Ils avaient le magasin d'Ica, qui avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 15 ou 20 chevaux, je ne me rappelle pas. Mais le magasin était plein de chevaux. Ah oui. Ah oui, ça a été pénible. Ah ben je me doute. Et dites-moi, Yvonne, après l'école, qu'est-ce que vous faisiez quand vous rentriez après l'école? Ah ben les devoirs, premièrement. Ouais. Et puis, on se couchait pas tard. Pas plus, on s'amusait par là un moment, mais après on sortait, on allait au lit. Vous sortiez dans la rue, dans la cour, jouer? Non. À ce moment-là, ça se faisait pas. Mais l'été, quand il faisait beau, les hommes à matinée, alors ils allaient dormir l'après-midi, alors il ne fallait pas faire du bruit. Mmh. Alors maman vous disait, vous descendez dans le magasin si vous voulez, vous vous amusez posément, vous ne faites pas de bruit, que les hommes dorment. D'accord. Et c'était respecté à côté de vous. Oui, je sais bien. Comment se passaient les repas à la maison? Oh, mais pas mal. Les enfants, ils parlaient à table ou ils devaient se taire? Oh, quand même, on n'avait pas le droit pour parler à notre d'accord. Non, si, non, c'était cool. Plus que chez Jeannot, 7 garçons chez mon mari. Eh oui. Son père était très sévère. Il dit qu'il dormait avec le fouet à la chaise. Il ne fallait pas parler. Ah oui. Ah, ils ont été élevés sévèrement. Oui. Ça a dû le marquer, lui. Mais lui, il était passage. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez des souvenirs des Noëls d'avant? Ah oui. Quand vous étiez jeune. Les Noëls d'avant, c'était simple à côté de maintenant quand je vois ça. Quand je vois ça, j'en reviens pas. Les Noëls et les anniversaires, bon, on a toujours fait les anniversaires des petits, mais les 3 ou 4 petits copains des petits, oui. Ils se mettaient à 3 ou 4, un disque, une bricole. Maintenant, quand je vois les. Ça paraît chez l'été. J'en reviens pas, moi. Et les soirs de Noël, il y avait quelque chose de particulier? Oui, toujours on avait quelque chose. Selon ce qu'ils pouvaient faire, et personne ne disait rien parce que tout le monde était au même niveau. Oui, c'est ça. Et pas maintenant, les pauvres sont plus bien servis que les enfants de riches. C'est malheureux. Et il y avait un réveillon, on mangeait différemment? Ah oui, nous deux fois on a fait les réveillons, non, mes parents n'y avaient pas beaucoup. Pas trop. La messe de minuit, non? Oui, elle a voulu nous prendre une fois, on s'est endormi, on n'a pas été sages. Donc c'était pas trop ça, la messe, c'était pas trop. On fêtait Noël, on nous faisait quelque chose, mais c'était raisonnable. D'accord. Et maintenant c'était exagéré. Oui. Moi, d'après moi, et d'après tout le monde qui voit le rapport. Oui. Et les carnavals, parlez-moi des carnavals. Ah, ça, les carnavals, on a toujours aimé ça. Parce que ça, voilà, ça, vous êtes une famille de carnavaliers. Ah, ça, alors. Quel souvenir des anciens carnavals? Ah, ils étaient jolis aussi. Mais ils n'étaient pas chaque année. Ah. Et ils étaient surtout à Montpellier. Et on avait une cousine à Montpellier et on allait au carnaval de Montpellier presque chaque année. D'accord. Ah oui, tout ça on était au courant parce qu'on sortait par. On n'avait pas de moyens de locomotion, hein. Mon père n'a jamais eu de permis. Et bien, mais on a toujours quand même été ici, les carnavals de Montpellier, on y allait. Et ici, vous ne vous rappelez pas des carnavals? Ici, on sortait un peu aussi, mais quand il y avait bal, on allait au bal et tout. Mais. Comment faisait à ce moment-là? Oui. Et les danses folkloriques, elles existaient déjà, le bras de la chemise, le chevalet? Oui, mais je me rappelle. Oui, on y allait, mais à ce moment-là, on ne le faisait pas. On devait se. Et après, alors? Votre mari, il n'a jamais dansé le chevalet? Si. Ah, il me semblait. Qu'il a dansé. Ah, il me semblait bien. Paul Bourrier. Voilà. Donc, vous en avez vu des danses du chevalet? Et tout ça se passait à ma maison. Ah bon? Pour à mon étage. Ils se préparaient là-bas. Oui. Et on faisait les chars chez deux coups. Mais moi, je me souviens des chars à ce moment-là. Et tout le monde venait, enfin, une dizaine venait boire l'apéritif avant de partir. Alors tout le monde était content. Voilà.
Et puis, le carnaval se passait bien. Maintenant, c'est une pagaille, les jeunes ne savent pas, ils sont sauts avant de partir. Oui, c'est souvent vrai, oui. Et vous n'avez pas dansé le chevalet, pas le chevalet, parce que c'était que les hommes, mais le branle de la chemise, vous l'avez jamais fait? Tout le temps. Ah. Tout le temps. Et toujours, monsieur Nègre devant et moi derrière. Où ils vont, celui de mon voisin, le beau qui est décédé. Parce qu'il couchait à ma maison et tout, celui-là. D'accord. Ouh, il était vraiment vivant. Ouais. Avec la bougie, le bonnet, la chemise, tout. Ah oui. Mais c'est quoi qui a pris toute la chemise et tout? J'ai dit, prends ton fille. J'ai dit, si tu veux te déguiser, tu te déguiseras, prends tout. Qu'on va vivre, après. Oui. Mais c'est bien, comme ça, ça se perpétue. Ah oui, à tout prix. Les commerces d'avant, à Poussin, vous vous en souvenez des commerces qu'il y avait qui n'existent plus? Oui. À la pharmacie, il y avait Armande et sa soeur. Oui. Comment ça s'appelle? Agulot. Il y avait le doc, que c'était Pérez qui l'avait repris, mais c'était quelqu'un avant. Oui. Où il y a le salon de coiffure en face. Il y avait même. Il y avait trois boucheries, là où est Paquet, que c'est Gatier qui l'avait créé. Il y avait celui, alias, que c'était. C'était un oncle, un cousin de mon oncle, il l'a créé après, oui. Et puis il y avait les frères Pascal, à la montée, là, où les gens, ces hommes de la mairie ont fait la buvette, là. Oui. Il y avait une boucherie, là, Augustin Pascal, les deux frères. Augustin qui faisait là, et Lucien qui faisait le vrai ou italien. D'accord. Ouais. Et des commerces qui n'existent plus et, parce que ceux-là, ils y sont encore. Hein. Les deux bouches, et c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Ouais. Il n'y avait pas des anciens métiers qui ont disparu maintenant? Oh, si. Il y avait deux menuisiers, il y avait si, il y avait tous les corps de métier. C'est ça. Des maçons, des menuisiers, il y avait tout. Et les foires à Poussin, vous en souvenez? Alors ça c'était le plus joli. Comme ça. À Sainte-Catherine. Oui, les baraques, les, d'où est la poste maintenant, que c'était les combats, oui. À l'ancienne mairie. C'était qu'une baraque et qu'un marchand. Et du monde comme ça que tu ne pouvais pas passer. Tout le monde évitait quelqu'un. Un monde fou. Maintenant, il n'y a plus rien. Les gens attendaient la foire pour acheter. Oui. C'est ça. Oui. Vous n'avez jamais eu de métier à vous, Yvon? Ah non. Vous aviez assez à moi, faire à la maison. Les enfants, moi, non. La maison, les enfants, moi. Et votre mari, alors, Jeannot, ah, quel a été son métier? Chef de cave. D'accord. Où il est rentré, il est parti. C'est dit à Jean-Luc, lui il a fait qu'une place chez le même patron, et son père, il voulait rentrer à la coupe, il est parti. J'ai dit, comme son père, tu n'as fait qu'une place. D'accord. Et l'électricité? Et l'électricité, il le faisait après sa journée, pour gagner un peu plus. D'accord. Alors après, les enfants s'y sont mis, voilà. D'accord, très bien. Ce qui fait que oui, ça, Jean-Luc a tout fait ici, chez lui, il n'y avait pas papa encore. Ici, tout le monde, on y a travaillé. C'était la vraie garrigue. Et oui, je me souviens. C'était la vraie garrigue. Oui, il y avait du travail. Et rappelez-moi, les médecins, vous rappelez des médecins qu'il y a eu à Poussin? Ah, il n'y en a eu qu'un, M. Renaud. Et c'est son fils qui a pris la succession. Et l'année qu'il y a eu l'épidémie de typhoïde, M. Renaud a sauvé tout le monde sauf son petit qui est mort. Ah bon? Ah, ça, je ne savais pas, vous voyez. Ah, si. Il a perdu un fils de peut-être 15, 16 ans, je ne sais pas. Mais que son petit qui est mort. Le petit de Mauroy. Il y avait Mauroy, le marchand de légumes. Oui. Tu la connaissais un peu, de Mauroy, qui était marié avec Fred. Oui. C'était marié avec Fred. Oui. Eh bien, on avait dit, il va mourir dans la nuit. Moi, je suis allé dans la maison parce que j'étais copine avec Agronette. Et il n'est pas mort. Et puis, il est allé mourir que le fils du docteur. Et c'était un docteur qui était très apprécié. C'est-à-dire, c'était le père qui était docteur, qui n'était pas très bon, il était vieux, et puis le fils, quand il a voulu s'installer, c'est venu. Alors il y avait le père et le fils, et puis il n'y a eu que le fils. Oui. Moi j'ai connu, hein, M. Renaud. Et ils avaient Bouzy encore.
Oui. L'été, les enfants, qu'est-ce que vous faisiez pendant les grandes vacances quand vous étiez petite? On allait à la plage. Ouais. Vous y alliez comment et où? Ici, alors après, mon mari avait acheté une camionnette à la rue. Parce qu'à Frontignan, ces grosses vagues, ils n'aimaient pas ces grosses vagues pour se baigner. Alors on allait à la rue, comme moi, c'était. Il était propre. Ça, c'est avec vos propres enfants? Avec mes enfants et ma soeur. Mais vous, quand vous étiez petite, l'été? Ah oui, mais aussi en charrette. Ah, en charrette? À Bouzigues. Voilà, ouais. Comme un peu tout le monde au village. On allait à Bouzigues. Moi, j'ai appris à nager à Bouzigues, alors. Moi aussi, je me suis ouvert le pied une année, mais devant nage. C'est M. Renaud qui m'a ramené à ma maison. Je saignais, il m'a ramené à ma maison. Et ma mère, il a dit, soignez-la bien, au moins qu'elle fasse la vannage. Et alors, j'étais bien enveloppée et j'ai fait ma vannage. Oui. Et vous aviez des copines l'été, vous faisiez des choses particulières, vous alliez les unes chez les autres, hein? Ah oui, on était quatre. Antoinette Mourat, elles sont toutes mortes. Antoinette Mourat, Lulu Rustin, la sœur de Marcel et de Simone. Oui. Je te le rappelle. Oui. Et Yvonne Rustin, la mère des petits singes. D'accord. Voilà, et moi. Voilà les quatre copines. Alors que le dimanche, on allait chez l'un, chez l'autre, on s'asseyait un moment. On ne causait pas comme maintenant. Oui. On passait les soirées comme ça. Les vendanges. Racontez-moi les vendanges avant. En allant, je vendangeais. Avec ma soeur, toutes les deux à la rangée. Et ma soeur, moi, j'étais tellement miserable. Oui, c'était toujours moi. Alors, c'était toujours moi qui marchais. Vous étiez nombreux dans la vigne? Oui, 12. Il y avait une grande propriété. Mon père était charretier, il nous aidait un peu. Oui. Moi, tout le monde, je vendageais. Il y avait une bonne ambiance quand même? Oui. Quand les femmes avaient un dimanche, laisse la sauce, je te la ferai ici. C'était bon vivant à côté de maintien. Personne ne se souvient. On ne comprend pas ça, moi. Il y avait des bons repas de fin de vendange aussi? Oui. On faisait la fête? À chaque année. Ouais. Chaque année. Et les vendangeurs, ils étaient de Poussin ou ils venaient d'ailleurs? À un moment, ils venaient de la montagne et puis ils ne sont plus venus. D'accord. Ils venaient chez toi des fois. Des gars qui voulaient sortir, qui ne tenaient pas le coup. Enfin. Ouais, c'était dur hein, quand même comme travail. Hein. Oui, mais enfin, les vendanges sont toujours faites. Oui, bien sûr. Et la religion, ça avait de l'importance à l'époque, la religion? Chez vous, c'était quelque chose d'important? Oui, les baptisés, les premières communions, les communions privées et tout. Vous vous rappelez des prêtres qu'il y avait quand vous étiez plus jeune? Il y en a un qui était resté, mais je ne me rappelle pas le premier comme il s'appelait. Et puis, un qui était resté, qui était un peu revêche, qu'on en disait qu'il s'en a, et puis il est parti. Alors, une question un peu coquine, comment les filles et les garçons se rencontraient-ils à l'époque? À cachette. Mais à quelle occasion, quoi? Ah ben, je sais pas, pour la fête, la foire, on ne sortait pas comme maintenant. Et oui, c'est pour ça, ouais. La fête, la foire, je sais pas. Dans le village? Ah oui, ça, et j'en avais pas. On n'avait même pas un vélo. Ah oui. C'était la voisine de la rue qu'elle nous prêtait. Alors, on habitait là-bas, la rue Marcel Palace, chez Quintana. Et alors on faisait des va-et-vient jusqu'au fond de la rue, on revenait, on était contente. Et oui. Et Jeannot, il habitait où, lui? Eh bien, la petite rue qui monte là où je te dis qu'il y avait des gars qui vendent le vin. Oui. La rue qui monte là. D'accord. C'était leur maison, ça. D'accord. Là, et vous le rencontriez comment, alors? Ah ben, il venait le soir. Il est venu longtemps, quand même. Les fiançailles duraient longtemps? Ouais. Et les mariages, comment ils se passaient? Ah ben chacun faisait la fête comme il voulait. Et le vôtre? Nous, on était en grand deuil de mari et de mère, alors on n'a pas fait de fête. Ah d'accord. On a fait, après, quand les petits sont nés, à tous les petits, j'ai invité parrain et marraine. Nous on est trop nombreux, chez Alger, ils sont trop nombreux. J'ai invité parrain et marraine, et il y avait toujours quelqu'un de chez Alger. Alors, des frères, bien sûr. Lui c'est Raymond. Il n'avait jamais été seul. Pareil, quand j'ai mes parrains de ce petit. Raymond Adjé? Il est très très gentil, Raymond.
Oh, Paul aussi était. Oui, Paul aussi. Hein. Paul, j'allais rendre service quand on lui avait coupé la jambe. Ah. Il avait besoin. Alors, j'allais le voir. Tu veux m'aider à le lever, lui. Et si j'ai besoin de toi pour le recoucher, tu viens m'enlever. Alors, un moment après, il m'appelait, viens, il faut le recoucher. C'était... Il avait mal pris qu'on ait coupé la jambe. Il était plus vif, lui. Il avait mal pris. À quel âge vous êtes mariée, Yvonne? 24 ans. D'accord. Et votre premier fils, vous l'avez eu à quel âge? En 25. Ah, l'année d'après. C'est bien. Alors merci Yvonne pour votre accueil et pour tout ce que vous nous avez raconté. C'était très intéressant. Merci beaucoup.